ambitieux, puisqu'ils se sont emparés d'une réécriture de Shakespeare. Bon, ils ne vont pas jouer de Shakespeare, mais c'est une réécriture de Shakespeare, de Richard III de Shakespeare. S'étouffait à court d'air. Et puis je l'ai vu, Richard. Tiens, je vais te dire pourquoi on peut y lire ta vie, gravée comme une fêlure dans l'os blanchi du jour. Quelle origine qui condamne l'avenir à ne mener nulle part ailleurs, car je hais son odeur refroidie, ses relents insondables, ses icônes jaunies, sa fierté péremptoire, sa bêtise admirable, son bon sens hypocrite. Sa suffisance calme, attentiste, immobile, rassurante et repue. Où dois-je aller, mère? Où dois-je aller? Faut-il donc tout apprendre aux enfants? Est-ce les prix à payer pour qu'ils me ressemblent? Mère! Tais-toi! Richard! Mon fils! Richard, troisième du nom. Regarde ces traces seules, laissées par ton père, consolidées par ton père. La lignée. Voilà. Là, dans le cou. Pour obtenir une augmentation, t'as-tu fait goûter sa langue? Buckingham me dégoûte. Arrive que les efforts pour rabattre la veste et cacher l'infamie restent vains. Il n'est jamais très bon d'avoir du sang sur soi. Il n'est jamais très bon que cela soit vu. J'ai renié Richard. J'embaucherai la totalité de mes dividendes avec ostentation. À la fin du monde, à la fin du siècle, faire taire. Au moins une fois, Anne. Au moins une seule fois. C'est Val et obséquieux qui me couvrent d'excuses. Je viens pour mon cadeau, Richard. À la nuit, il s'arrache à ma nuit. Là, dehors, enfin, réveillé par mes licenciements, par l'absurde et le cynisme porté par la haine de Richard, si semblable à moi. La révolution, Anne, ton cadeau, ma jeunesse. C'est fini, Richard. La rue nous appartient.